tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo boîte aux lettres spéciale concours. Donc à la base, ce n'était pas pour mon concours, mais finalement, voilà. Ça en fera partie, tout simplement parce que je ne souhaite pas que Pascal me fasse un nouvel envoi pour le concours. Donc je vais prendre tout simplement cet envoi-là comme participation pour le concours. Parce qu'après tout, il y a une carte comme ce que je demandais pour participer au concours. Donc il n'y a pas de raison qu'elle fasse un nouvel envoi. Donc j'ai reçu ça de Pascal, donc du coup par contre c'est déjà ouvert. Donc vous avez encore une magnifique carte. J'adore vraiment beaucoup cette carte, hein, les fleurs, la patouille. Les petites étoiles qu'on voit un petit peu partout, mais juste une ou deux. Je trouve ça super sympa, personnellement j'adore ce qu'elle fait Pascal. Hein. Je le dis, je me répète et je me répète de nouveau, mais j'adore. Donc son petit mot par contre il est personnel, je le garde pour moi. Et par contre voilà, elle a accompagné sa carte voilà, de cadeaux qu'elle souhaitait me faire. C'est du matériel dont elle ne se servait plus, donc elle voulait me les donner tout simplement. Étant donné que c'est encore voilà, une folie, c'est énorme, c'est voilà. Je ne discute pas avec les personnes pour recevoir. Donc du coup, je trouvais que c'était la moindre des choses qu'elle participe au concours sans avoir besoin de m'envoyer de nouveau un courrier pour y participer. Donc du coup, à l'intérieur, il y a... Je vais vous les réouvrir, même si je sais déjà ce que c'est. Vous avez des échantillons de washi tape, donc de la collection Good Vibes d'Artemio. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est la collection Good Vibes d'Artemio. Il y a alors deux marque-pages magnétiques aimantés. Il y a un lot de 4 planches de stickers. Elles sont toutes identiques. Enfin, personnellement, j'adore. Et pour finir, il y a tout simplement la moitié du bloc de la collection. Donc, c'est-à-dire 30 feuilles au format 30-30. Donc, comme je vous disais que c'était un peu de la folie et que je ne souhaitais pas avoir de nouveau un envoi de sa part, c'est aussi pour cette raison. Parce que Pascal m'a énormément gâtée ces derniers temps. Donc, je trouvais normal qu'elle participe au concours. Enfin, je trouvais normal de prendre son envoi, même les deux envois finalement, comme participation pour le concours. Après, sachez que voilà, c'est un tirage au sort. Donc le fait qu'elle m'ait envoyé voilà, tout simplement deux envois avec à chaque fois des folies à l'intérieur ne fera pas qu'elle va forcément gagner. Comme c'est un tirage au sort, c'est du hasard. Si elle gagne, ça n'a rien à voir avec ses envois. Donc je vais vous montrer les papiers qui sont tout simplement magnifiques. Les coquelicots, voilà, ceux-là, je les adore, hein, ils sont magnifiques. Je trouve cette collection à la fois simple et... Bah, elle est simple, en fin de compte, comme collection. C'est la colorie qui change. C'est des choses assez... assez pastel, comme j'adore, et franchement, je n'ai rien à dire, hein. Cette collection, je l'adore par-dessus tout. Donc c'est vrai que j'étais super contente quand Pascal m'a proposé de... Bah, tout simplement de m'offrir, même si je voulais pas qu'elle me les offre, mais quand elle m'a proposé de m'offrir ce qui lui restait de cette collection. En plus, Lucille bah voilà, m'a tout simplement offert aussi des petits éléments de cette collection-là. Donc, j'ai vraiment de quoi faire des créations avec. Et elle avait pris en plus, Lucille, sa planche de tampons de cette collection-là. Donc, j'ai pu faire pas mal de tamponnage pour aller avec ses papiers et ses embellissements. Même là, en version bleue, elle est vraiment super belle, cette page. Bon après c'est vrai que j'adore les coquelicots, j'adore le bleu turquoise, le rose. Donc forcément cette collection ne pouvait que me plaire. Et voilà la dernière page.
Du coup, je vais prendre mon enveloppe avec les noms des participantes. Du coup, Pascal, tu seras la participante numéro 19. Donc du coup, je te remercie encore une fois, Pascal. C'est complètement de la folie ce que tu m'as envoyé. J'adore tout, hein. On va pas. Enfin voilà, j'adore. Concernant ton petit mot, bah voilà, je te répondrai. Comme à la base, ce n'était pas pour le concours, mais plutôt personnel. Je te fais encore de gros bisous. Je te remercie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et en attendant, tout simplement, bah je vous fais voilà de gros bisous à toutes. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.